Très, très enchanté de la recevoir ce matin dans le cadre de Starlight, le rendez-vous des stars, de ceux qui font la une en ce moment au Cameroun. Alors, elle nous vient avec beaucoup de bonnes choses, hein, ça il faut quand même le dire. Hein. Depuis un certain temps, on parle beaucoup d'elle déjà ce matin sur les antennes de la télévision nationale. Les téléspectateurs ont eu l'opportunité de l'écouter et d'apprécier hein, ce qu'elle a réalisé pour amener les Camerounais à sortir un tout petit peu de l'ornière de la pauvreté. Elle nous honore de sa présence, on l'appelle d'Assise. Lilson, c'est un nom qui fait un peu américain, mais rassurez-vous, c'est une Camerounaise, une 237, hein, pur son. Bonjour Assise. Bonjour Bernard. Je suis très heureux et très enchanté de te recevoir dans ce programme. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Je me sens très bien et merci pour l'invitation. Merci. Oui. J'espère qu'on va passer un agréable moment comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors là, vous êtes de ces personnes qui ont décidé d'apporter régulièrement de très bonnes nouvelles aux Camerounais. Et là, vous détenez un ouvrage que vous avez commis, un livre que vous avez écrit, qui va certainement reprofiler, je dirais même révolutionner le comportement de certains internautes et pourquoi pas de ceux qui pensent que les smartphones ne servent qu'à surfer, qu'à appeler, qu'à snapchatter ou alors à facebooker ou à whatsapper. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que vous nous apportez à travers ce livre que vous avez écrit, c'est que à travers le smartphone, on peut devenir riche et même très riche. Bien sûr, effectivement. Aujourd'hui, les jeunes font une très grave erreur et même, je vais même accuser les parents parce que certains parents se retrouvent à acheter des gros smartphones aux enfants. Oui. On retrouve des jeunes de 18 ans, 20 ans avec des iPhone 13 Pro Max, oui, par exemple. Mais tout ce qu'ils font avec, c'est d'être sur Snapchat, faire, oui, des selfies, être dans les groupes de buzz partout sur Facebook. Mais je dirais à ces parents, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de permettre à ces enfants de monétiser ces iPhones qu'ils ont, ces smartphones qu'ils ont, afin de vous libérer de certaines charges? Parce que je crois aujourd'hui qu'un enfant de 16 ans, de 17 ans, qui a un smartphone peut aider ses parents, oui, à gagner de l'argent plutôt que de casser la tête des parents tous les matins. Papa, je veux l'argent des beignets. Mais tu peux participer ou contribuer, n'est-ce pas, aux charges de la maison. À cet âge-là, on est assez responsable. Absolument. Donc, les jeunes devraient prendre conscience de cela. Pas seulement les jeunes, mais les employés, plutôt que de passer les pauses à causer avec la famille sur WhatsApp, même si tu es employé, tu peux gérer tes pauses avec quelques produits ou services que tu vends, parce que je suis consciente que plusieurs personnes ont des compétences ou bien des produits ou des services qu'ils peuvent vendre, mais ne savent pas comment s'y prendre. Ils entendent parler de e-commerce. E-commerce. Justement, on va en parler. C'est d'ailleurs l'intitulé de votre ouvrage, Millionnaire grâce au e-commerce. On va commencer par le commencement. Oui. C'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, c'est tout simplement, pour aller simplement, c'est commerce électronique. Le I qui est là, c'est electronic commerce, oui, en anglais. Donc, en français, on va dire commerce électronique, vente en ligne. Oui, oui, je veux pas aller plus loin. C'est tout simplement être présent sur les réseaux sociaux pour vendre. Alors, j'ai lu là, avec le e-commerce, la richesse n'a plus de secret. C'est justement l'intitulé de votre livre, Millionnaire grâce au e-commerce. Parle-nous du contenu de cet ouvrage que beaucoup considèrent comme étant déjà un outil révolutionnaire ou alors un outil qui va révolutionner un tout petit peu les comportements de certains détenteurs de smartphones. Oui. Je parle de millionnaire grâce au e-commerce tout simplement parce que grâce au e-commerce, il est possible de gagner son premier million en 90 jours avec une stratégie que j'ai mise en place. C'est possible. Alors, le contenu du livre est vraiment très intéressant. C'est un livre que je recommande à toutes les couches. Oui. Voilà. Et dans ce livre, je commence par le mindset parce que je suis d'abord mindset trainer. Oui. Et je commence par enseigner. Je parle de mon expérience, par quoi je suis passée, les challenges et tout ce que j'ai relevé qui m'ont permis de me retrouver où je suis aujourd'hui. C'est vrai que je ne suis pas encore où je veux être, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus où j'étais hier. Absolument, voilà. C'est ce qui est important. Donc, on parle de mindset pour aider les gens déjà à transformer leur état d'esprit, à développer ce que j'appelle l'esprit de lion, de lion mindset. Parce que le lion,
C'est vrai, c'est pas le plus robuste de la forêt, mais c'est quand même le roi. De la forêt. On se demande comment est-ce qu'il fait pour être roi malgré sa petitesse, ou bien il n'est pas comme l'éléphant. L'éléphant, voilà. Mais il a quand même un charisme qui le démarque des autres et qui Absolument. Font en sorte que les autres aient même peur de lui. Oui. Donc, il faut d'abord développer cet état d'esprit-là. Parce que si on prend un certain montant, on donne à quelqu'un qui n'a pas le mindset de lion, il va devenir fou en fait, parce qu'il n'est pas préparé à cela. Maintenant, après le mindset dans le livre, je présente l'opportunité qu'est le e-commerce pour leur permettre de gagner de l'argent grâce à cette activité-là, en leur enseignant qu'il est possible pour vous d'utiliser votre smartphone que vous avez et de faire des ventes en ligne à travers les services ou les produits que vous proposez en touchant une cible précise. Parce que je suis consciente qu'on ne vend pas tout à n'importe qui. Voilà. Parfois, on a le bon produit, mais on s'adresse à la mauvaise personne. Voilà. Alors, le 30 juin prochain, vous allez présenter cet ouvrage dans le cadre d'une dédicace. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Dans le cadre de la dédicace du livre, nous organisons une conférence sous le thème « Ma stratégie pour gagner ton premier million en 90 jours grâce à la vente en ligne ». La conférence aura lieu à l'hôtel La Falaise de Yaoundé, situé au Capitole, à Ouarda. Et à partir de 12h, nous allons commencer une séance de transformation et une séance extraordinaire de partage d'expérience et de networking. Voilà, juste à titre indicatif, est-ce que le livre est déjà disponible? Oui, le livre. On peut le retrouver où? On peut le retrouver dans nos locaux, au Carrefour TKC. Oui. Voilà, ou bien on peut contacter le numéro 6 92 33 14 94. 6 92 33 14 94. Voilà, j'aimerais quand même qu'on apporte une certaine précision. Tous ceux qui vont se procurer ce livre, est-ce qu'après avoir lu ce livre, comme par coup de baguette magique, ils auront toutes les clés de la richesse, ou alors il faudra un accompagnement pour qu'on implémente ce qui est inscrit dans le livre? Ok. Étant donné que nous organisons un événement en présentiel, je suis certaine que lorsque nous sommes là en présentiel, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, je conseillerais déjà aux gens, aux parents qui m'écoutent, d'envoyer leurs enfants s'inscrire déjà à cette conférence, oui. De participer à la conférence, parce que ce sera des choses pratiques. Lorsque tu lis le livre, ce n'est pas pratique, mais pendant la conférence, j'aurai mon laptop devant moi avec mon smartphone. Je vais aller point par point vous montrer où cliquer pour faire quoi. Ah, c'est intéressant. Voilà. Et après cela, il y a la possibilité d'avoir un accompagnement dans nos locaux. Nous formons également là-bas, Carrefour TKC. Oui. Et pendant le temps nécessaire, ça peut être 3 semaines, 1 mois, on forme les personnes à gagner de l'argent grâce au e-commerce. Bon, est-ce qu'on peut avoir déjà un numéro pour ceux qui aimeraient s'inscrire pour prendre part justement à cette séance de travail, si je peux l'appeler ainsi? Bien sûr, c'est le même numéro, 6 92 33 14 94. Voilà. Un mot synthétique à l'endroit de nos auditeurs. On est écouté dans cette région du Cameroun, on nous écoute également à Libreville, à Bataille, à Valabo. Alors, quel message synthétique à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ont été forcément séduits par vos explications et par ce livre qui, comme je le disais tout à l'heure, va véritablement révolutionner la conception du net? Ok. Alors, que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur, ménagère même, vous avez besoin de gagner encore plus d'argent. Parce que je suis certaine que l'objectif de ton patron n'est pas de te rendre riche. Dès que ton patron sait que tu deviens déjà riche, il va te chasser. Donc, on doit apprendre à gagner encore plus d'argent. Je dis souvent aux femmes, vous avez besoin d'au moins, si vous n'avez rien fait, 5 sources de revenus. Parce que vous avez besoin d'envoyer vos enfants dans les écoles. Les choses sont abondantes. Voilà, vraiment, il y a tellement de choses à faire. Vous voulez amener vos enfants faire des balades, leur acheter de belles choses, leur donner la meilleure éducation qu'ils soient. Mais comment vous faites? Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Mais vous sortez de la pauvreté, créez d'autres sources de revenus parce que votre salaire ne va pas suffire. Donc, je vous invite massivement à cette conférence parce que les places sont limitées. Contactez-nous rapidement et on passera un moment extraordinaire.
Merci Darcis Ellison d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons le meilleur pour justement cette grande dédicace. Nous y serons avec bien sûr toute la grande équipe de Star It et naturellement de la CRTV pour couvrir cet événement. C'est très important parce que ça participe justement à l'émancipation et surtout au développement socio-économique de notre pays et même des différentes couches de la société. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites, merci pour relever le niveau de vie des Camerounais à votre humble niveau. Et naturellement, nous serons toujours disposés à vous accompagner dans cet effort. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu dans cette émission. Merci, excellent week-end.